Salut à tous et à toutes, c'est Supraphénix. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le tutoriel HTML CSS. On est à la partie 8, il me semble, sur les formulaires. Et on va tout de suite attaquer donc avec cette partie qui est une de mes préférées pour être honnête, parce que les formulaires, c'est super important dans le web. Ça permet de par exemple avoir une barre de recherche dans son site, ou d'avoir un formulaire de connexion, ou de pouvoir proposer, je sais pas moi, un champ pour répondre à un topic sur un forum. Tout formulaires sur le web. Beaucoup de sites s'en servent. Quand on vous pose une question, vous pouvez écrire, sélectionner une date, faire n'importe quoi qui demande votre attention, bouger un curseur, tout ça. C'est un formulaire qui envoie une donnée à votre navigateur et qui est ensuite traité par PHP. Si vous êtes intéressé pour savoir comment traiter une donnée que quelqu'un a rentrée dans un formulaire, alors ça va plutôt être mon tutoriel PHP qu'il va falloir aller voir. Pour l'instant, on va juste voir de la mise en forme et de la gestion des champs. Mais il n'y aura aucun aspect de traitement dans ce tutoriel. Je ne vais pas vous expliquer comment faire en sorte de vérifier que le mot de passe est bon, que le nom est correct, que l'adresse email qui a été tapée est bien une adresse email. Je vais tout simplement vous montrer les champs qui sont possibles. Mais ce tutoriel devra être, à mon avis, approfondi par PHP si vous voulez aller plus loin avec les formulaires. Sinon, autant dire qu'ils sont totalement obsolètes si on ne traite pas l'information que l'utilisateur entre. Ceci étant dit, on se jette tout de suite dans la fosse. Et on va faire notre premier formulaire. Donc, pour créer un formulaire, on a la petite balise form, qui est une balise HTML5, enfin HTML tout court en fait, qui existe depuis très longtemps. Et cette balise form, on va devoir la renseigner de quelques propriétés, à savoir la propriété méthode, donc méthode hop, et action. Ça, c'est les deux propriétés qui vont être indispensables. Donc, méthode, c'est soit get, soit form. Comment vous expliquer rapidement? Quand vous êtes sur Internet et que vous avez souvent des sites qui sont par exemple http://google.com slash point d'interrogation data égale non alors prénom égale supraphénix. Qu'est-ce que dit cette URL? En fait, c'est quand vous avez un formulaire que vous mettez en get et que vous validez ce formulaire en get avec le bouton finalement envoyer. L'URL se met à jour et on a finalement les informations qui ont été entrées qui transitent dans l'URL de manière publique. Voilà. Donc ça veut dire que si demain j'ai un formulaire avec un champ prénom et que je mets valider, je vais avoir cette URL qui va apparaître. Ça permet de traiter les valeurs dans l'URL, mais ça encore une fois, vous allez voir le tutoriel PHP si vous voulez en savoir plus. Je ne vais pas m'étaler très longtemps. Ensuite, il y a la méthode de form qui est peut-être la plus utilisée. Après, je ne suis pas sûr de ce que je vous dis, mais je crois que c'est la plus utilisée, moi je l'utilise souvent en tout cas. Elle permet de transiter l'information sans qu'elle soit visible via le formulaire et pas via l'URL cette fois-ci. Donc on va rester sur du form même si ça ne change rien étant donné qu'on ne traitera pas l'information aujourd'hui. Et action, finalement, c'est la page sur laquelle on va traiter l'information. Donc si votre code PHP de traitement se trouve sur la page 2.php, alors on va envoyer le traitement vers 2.php. Si vous traitez l'information sur cette même page, vous laissez vide, vous mettez par exemple index.html. Voilà. Enfin, du coup, ce sera index.php, mais bon, on va laisser vide pour signifier qu'on veut traiter sur cette page. Ceci étant dit, dans un formulaire, il faut utiliser les balises des balises blocs pour que des informations y apparaissent. Si j'écris comme ça, on va avoir un problème. Il faut que je mette P. Et là, je peux écrire. On va voir ça tout de suite. Normalement, il va y avoir écrit tout simplement cette petite chose. Voilà, tout simplement. Donc, on a un form. Ça ne se voit pas forcément un form. Hein. C'est quelque chose d'invisible. C'est pas, il n'y a pas de mise en page particulière, de mise en forme. Et donc, on va faire notre première demande. On va demander à la personne de nous dire comment elle s'appelle. Voilà, tout simplement. Donc, je vais me contenter de mettre un petit P. Hop. Et à l'intérieur de ce P, qui est lui-même à l'intérieur du form, donc on doit l'indenter. On va mettre impute. Alors impute, c'est une balise auto-fermante, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être fermée comme ça. On fait pas impute, ça n'existe pas. On l'auto-ferme. Et cette balise impute, elle va permettre en fait de choisir finalement le type de formulaire qu'on veut et comment il va s'appeler, parce qu'il faut bien le prénommer pour pouvoir le gérer derrière. Donc on va l'appeler par exemple name égale prénom, on va demander le prénom, voilà. Et type égale texte.
Pourquoi texte? Parce qu'en fait, on va demander à une personne de saisir une chaîne de caractères du texte pur. Donc, on utilise le type texte que propose HTML. Et donc, on devrait avoir une case qui apparaît. Voilà. Et on peut écrire ce qu'on veut à l'intérieur. Cela dit, là, on comprend rien. On ne sait pas ce que la personne veut. Donc, on peut utiliser la balise qui s'appelle placeholder, qui permet en fait d'écrire du texte par défaut en gris. Vous savez, quand on clique dessus, ça disparaît, mais ça vous propose quelque chose. Par exemple, allez, supraphénix, on va mettre. Voilà, supraphénix en exemple. Et là, vous constatez qu'on propose, quand j'écris, ça disparaît, mais on me demande quand même, on me propose quand même un exemple. Voilà, j'aurais pu mettre exemple supraphénix pour que les gens comprennent bien. Ou j'aurais pu aussi tout simplement mettre votre prénom. Alors attention, hein, c'est pas une fin en soi, on n'utilise pas les placeholders pour faire comprendre à la personne ce que c'est, cela dit, ça peut aider. Il faut savoir que c'est une fonctionnalité qui n'est pas reçue par tous les navigateurs, enfin du moins pas les anciens. Donc moi je vous conseille quand même d'écrire en texte dur à côté ce que vous attendez de la personne pour que la personne comprenne. Mais on va quand même, je vais vous montrer comment on fait. On va créer une balise label. Cette balise label va nous permettre d'écrire ce que je veux à côté. Donc par exemple label votre prénom deux points. Et donc on a un formulaire qui nous dit votre prénom deux points. Alors là on va peut-être changer parce que ça fait répétitif. On va mettre ben voilà supraphénix, on remet. Ah bon moi c'est réglé. Voilà votre prénom et on propose quelque chose. Ça c'est bien. Le problème c'est qu'il va falloir ajouter, il va falloir lier ce label à cet impute pour faire comprendre à HTML que ces deux sont liés et on va devoir ajouter une balise qui s'appelle for. Donc on va l'appeler par exemple for prénom. Mais il ne se lie pas au name, sinon ce serait trop facile. Le label se lie à un ID. Donc en fait ce qu'on va faire c'est tout simplement qu'on va mettre un ID égal prénom. Il n'y a aucun problème que le name et le ID soit identique, hein. On aurait pu mettre prénom 2, mais si je mets prénom 2, il aurait fallu mettre prénom 2 à for, en fait, vous comprenez? Il faut lier le label for à l'ID de l'input, tout simplement. Donc là, on va quand même, pour des raisons de facilité, on va tout simplement mettre prénom, ça suffira. Rien n'a changé, mais c'est quand même important de le faire au niveau de la sémantique et de la propreté de votre code. Parce qu'on peut très bien faire un formulaire en mettant juste un input, hein, mais attention. Vous allez avoir quelque chose qui ne sera pas bien vu par Google, qui sera peut-être déréférencé. Il faut avoir des informations claires pour être le mieux référencé possible et pour avoir un code qui répond aux dernières normes de sécurité, aux dernières normes tout court. Voilà. Ça, donc on a vu le placeholder, on a vu l'input text, on a vu les labels. Maintenant, je vais vous montrer deux, trois propriétés qui vont permettre de gérer le nombre de caractères que pourront mettre une personne. Si je veux gérer la taille, par exemple, d'un input qui prend une taille par défaut, je vais mettre size 8. Alors, on va voir ce que ça donne. Bah, vous voyez, ça réduit le champ. Maintenant, si je mets un size 85, on se retrouve avec un champ gigantesque. Alors, je sais pas ce que c'est, hein, si c'est des cacahuètes, l'unité, ou. Vous voyez, c'est pas responsive en plus, donc c'est pas très cool. Moi, je vous conseille de laisser par défaut. Hein. C'est quand même peut-être mieux. En tout cas, vous savez qu'on peut gérer la taille comme ça. Alors, moi, je vais mettre du, allez, du 15. Et il y a aussi une propriété qui s'appelle du max length, qui veut dire en fait longueur maximum, maximale. Et c'est le nombre de caractères que la personne va pouvoir taper. Donc, si je veux qu'elle soit limitée à 3 caractères, parce qu'on veut que des prénoms courts. Bon, ben voilà, si je tape plus de 3 caractères, je suis bloqué. Je peux pas aller plus loin. Voilà. Bon, ça n'a pas grande utilité, ou peut-être pour pas que les gens fassent des phrases, on peut mettre un truc comme, allez, 50, voilà, au moins on est sûr que la personne, elle racontera pas sa vie et qu'elle mettra que son prénom. En l'occurrence, c'est des petits trucs qui peuvent être utiles quand on veut affiner un petit peu son formulaire. Il y a un autre champ que je vais vous présenter qui s'appelle le textarea. C'est pour permettre à une personne de s'exprimer finalement. Et de pouvoir taper un petit peu ce qu'elle veut. Donc on va mettre par exemple alors label for avis. On va l'appeler avis. On va mettre textarea id égale avis. Et on va mettre du texte à l'intérieur. Que pensez-vous de mon site? Hop.
J'ai oublié de fermer le label. Merci de nous indiquer ce que vous pensez de ce site. On ferme le label, on met le Textaria et normalement on devrait avoir un beau petit résultat. Ouais. Alors on va faire un autre P pour que ça saute la ligne. Deux paragraphes différents du coup. Voilà. Merci de nous indiquer ce que vous pensez de ce site. Et là, vous avez que pensez-vous de mon site. Alors, si vous voulez que ça passe à la ligne, hein, pas de panique, on fait un petit BR. Hop, qui est une balise HTML qui permet de sauter la ligne. Voilà. Et là, vous avez donc la possibilité de l'agrandir, d'écrire. Voilà. C'est un petit champ qui, finalement, peut aussi être augmenté en termes de taille. Hein. N'hésitez pas à le faire. Je vais prendre la balise Textaria. Je vais dans Textaria. Je mets un width de par exemple allez, 50 pixels, un height de 800 pixels, voilà, ça va être énorme, attention à la case. Voilà, on a 800 sur 50. Donc vous pouvez gérer totalement la taille de votre on va mettre du 500 sur 400, voilà, un truc un petit peu sympa. Voilà, il y a une grande case pour écrire tout ce que vous voulez sur le site. On a aussi d'autres champs finalement qui vont nous permettre de faire autre chose. Donc je vais copier-coller pour aller plus vite, hein, pour pas qu'on passe 800 ans. Sachez qu'il y a aussi donc du coup l'input. Non, je vais modifier, ce sera plus simple parce que sinon je vais devoir tout refaire. Sachez qu'il y a le type donc texte, le type password quand vous demandez à quelqu'un de rentrer un mot de passe pour que le contenu soit crypté et que les personnes autour ne puissent pas le voir. Ça ne change absolument rien si ce n'est qu'il y a des ronds à la place des caractères. Ça, c'est pas mal pour des raisons de confidentialité. On ne demande pas un mot de passe à quelqu'un sur un site si tout le monde peut le voir. Voilà, ça, c'est quelque chose de, c'est du bon sens. Hein. On a le type password, on a aussi le type, on a le type email qui permet. Alors, ça, c'est une fonction enrichie. Attention, que veut dire enrichie? Ça veut dire que c'est les nouveaux navigateurs qui les prennent en charge, de plus en plus hein, d'ailleurs, mais qui permet en fait d'avoir des champs. Qui savent si la donnée est bonne avant que la personne les remplisse. C'est-à-dire que si je mets quelque chose qui ne ressemble pas à un email, mon navigateur va me dire non, c'est pas bon. Donc regardez, si je mets ça, alors là, je sais pas si Chrome le fait. Je pense que Chrome ne, enfin celui-ci ne le fait pas, c'est étrange. Ça dépend. Je sais que Firefox le fait par exemple. Probablement pas Chrome, c'est bizarre. Normalement, ça devrait s'afficher en rouge, enfin avoir un petit code comme quoi l'email n'est pas bon. Vous avez aussi le type URL qui est un peu pareil, c'est pour limiter à la personne à écrire un lien. Vous avez le tel aussi. Alors le tel, je vais voir comment ça réagit sur desktop. Bon, ça fait pas de différence ici. Par contre, ça fait une différence sur les mobiles, ça c'est sûr et certain. C'est-à-dire que si je mets un champ de ce type et que je le browse sur mobile, je vais avoir, quand je vais cliquer sur la case, le pavé numérique de mon téléphone qui s'affiche et pas le truc de texte. Voilà, ça va en fait comme si je devais passer un appel. Et ça, c'est super cool parce que ça permet en fait de rendre ça beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus simple pour la personne parce que vous indiquez à HTML la donnée que vous souhaitez recevoir. Donc ça, il faut le faire, hein, il faut y penser. Vous avez aussi la valeur range. Alors, je pense que ça, je pourrais vous le montrer. Range, type range, ça veut dire en gros écart. C'est pour faire une jauge finalement. Donc, vous aimez mon site un peu, beaucoup, pas du tout. Voilà. Vous gérez la jauge. Vous avez aussi color pour sélectionner une couleur. Oui, je sais, ça peut être utile parfois, sélectionner une couleur. Voilà. Alors, attention, voilà, le Chrome le fait. Donc j'ai la couleur qui s'affiche, je sélectionne, hop, je veux du rouge. Et hop, j'ai sélectionné du rouge, voilà. Bon, ça n'a pas forcément très grande utilité dans certains sites, mais en tout cas, il faut savoir que ça existe, c'est pas mal. On a aussi le date qui permet de sélectionner une date. Voilà, donc là, vous voyez, il y a le format déjà qui est pré-rempli. Donc là, je veux du... Alors soit je peux ouvrir directement, il me semble, voilà, un genre de calendrier, c'est super pratique. Donc je suis né en 2008, le juin, machin, hop, on a une date. C'est plutôt pas mal. On a aussi du time pour gérer l'heure. À quelle heure avez-vous découvert le site, j'en sais rien. Hop, on a un champ pareil qui est enrichi, qui permet de choisir une heure et de pouvoir rien noter d'autre. Voilà, il n'y a que l'heure.
Voilà, donc ça c'est, on a fait à peu près le tour. On a aussi le type search. Alors là, alors vous voyez, la différence c'est qu'il y a une petite croix qui s'affiche. C'est un champ de recherche en fait, ce qui permet de clear le champ de recherche. Bon, ça dépend, les navigateurs réagissent tous différemment. Comme je vous dis, chaque navigateur a ses propres normes. Je peux pas vous certifier que ça fera exactement pareil sur Firefox ou sur Opera ou sur d'autres navigateurs comme Safari. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut les utiliser du mieux possible. C'est-à-dire que si vous voulez faire un champ de recherche, mettez type search, ça c'est mieux. Si vous voulez faire un champ de date de naissance, mettez un type date. Voilà, faites quelque chose qui utilise finalement les dernières normes. C'est tout ce que je peux vous conseiller de bien. Voilà, dans tous les cas, c'est toujours bien de faire ça. Pour valider un formulaire, on a effectivement aussi la balise, donc input toujours, mais input qui va être de type submit. Je sais pas pourquoi je m'embête à vous faire une autre ligne, j'ai commencé à faire sur la même, on va continuer. Type submit qui est finalement le bouton de validation en fait. Hein. Valider. Hop. Vous voyez d'ailleurs j'ai validé et vu que j'étais en get ou j'étais en. Non, j'étais en form. Oui, d'accord, ok. Bon voilà, du coup j'ai le bouton qui s'affiche qui permettra de valider un formulaire. Et donc après ça, on a aussi les choix. Alors pour faire choisir plusieurs options à vos utilisateurs, donc je vais réinitialiser tout mon formulaire. Et je vais vous montrer les checkbox. Les checkbox, c'est ce que c'est. Quand vous avez besoin de faire choisir une ou plusieurs options à vos visiteurs, par exemple, je sais pas moi, quelles sont vos passions dans la vie? Alors on va faire ça, proprement cette fois-ci. Donc on va mettre par exemple label. Fort hobby. Voilà. Quelles sont vos passions dans la vie? Et on va du coup ouvrir un input finalement, hein, input type checkbox name name poney ID hobbies. Et on va mettre donc du coup label. Non, alors j'ai fait n'importe quoi par contre. J'ai fait n'importe quoi. On va pas mettre le label ici. On va mettre le label ici. Label fort. Poney. Du poney. Et là, on va mettre poney aussi pour que ce soit lié au label. Quelles sont vos passions dans la vie? Du poney. Et maintenant, on va en mettre plusieurs du coup. Alors, on va mettre un BR déjà après le passion dans la vie. On va aussi mettre un BR ensuite après l'input. Et on va faire ça plusieurs fois. Donc, on va mettre poney, foot, voilà, du foot. 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 Voilà, donc on a ça qui s'affiche. Et donc on peut mettre plusieurs choix, hein. Alors l'avantage de cette technique, c'est effectivement de pouvoir bad, on va mettre badminton, hein. Bad. Bad et bad. Je vais pas m'embêter. Voilà. Donc là, il y a trois choix. Je peux en cocher 1, 2, 3, 2, 1. Ben, on s'en fout. Hein. C'est tout l'avantage justement réside dans le fait que je peux en cocher plusieurs. Ça, c'est important. Ça, c'est voilà. Donc c'est pour les checkbox. Il y a plusieurs choses à cocher. Maintenant, on va faire une liste radio. Alors radio, qu'est-ce que c'est? C'est quand on peut ne cocher qu'un seul choix dans une liste. Par exemple, vous êtes une femme ou un homme. On peut pas être les deux à la fois. N'en déplaise aux féministes, je suis désolé. Du coup, ce que je vais faire, c'est que êtes-vous un homme ou une femme? Allez, petit pouce rouge parce que j'ai dit que les femmes et les hommes, on ne pouvait pas être la même chose. On ne pouvait pas être les deux en même temps.
Donc, êtes-vous une femme ou un homme? On va mettre un petit input type radio. Alors là, attention, le name doit être le même pour tous. C'est-à-dire que ça va être sexe, par exemple. Et c'est la value qui va changer. Donc, homme. Et on va mettre la même avec femme. Mais attention, hein, je vous dis, il faut vraiment que le radio, le sexe, enfin le name soit identique pour les deux. Sinon, il ne comprend pas que c'est une même liste. Le checkbox, c'est pas grave, parce qu'en fait, on va sélectionner par le name. Là, on sélectionne par le name, mais c'est la value qui va être intéressante. D'ailleurs, c'est pas value, c'est value. Voilà. Et on va mettre là un label, toujours pareil. Hein, label for. Homme. Et femme. Donc là, vous constatez que quand je clique sur homme, femme, l'homme disparaît et vice-versa. Je suis limité à 1. Et c'est normal étant donné que c'est une liste finalement qui n'a qu'un seul choix possible. Qu'un seul choix possible, mais ça ne veut pas dire que je suis obligé de rester avec deux. Je peux mettre aussi alien si je veux. Regardez, on va mettre alien. Mais tant que je regarde le même name, ce qui est bien, c'est qu'il comprend que c'est qu'une liste. Voilà, donc alien, femme ou homme, mais je suis un choix possible. Là, il y en a plusieurs. C'est à peu près la différence majeure. Ensuite, il y a aussi les listes que je voulais vous montrer. Donc, P. Où habitez-vous? Voilà. Pas s'embêter, hein. On va mettre une liste de deux simplement. Ça va être Paris ou Marseille. Donc, on va mettre un petit select. Et dans ce select, on va mettre une option value Paris. Paris. Et on ferme l'option. Voilà, hop, on met un petit Marseille ici. Et dans le select, on n'oublie pas d'ajouter le name qui va être par exemple le pays. Voilà. Parce qu'il faut absolument qu'on sache quel select appeler quand on va traiter l'information. Donc le select, il a un name, c'est pays, et il a deux options, une Paris et une Marseille. Et du coup, je vous montre comment ça rend. Hop, où habitez-vous? Paris ou Marseille? Je peux cocher finalement directement le choix qui me correspond le plus. Voilà. Pour valider le formulaire, qu'est-ce qu'on a? Alors je vous avais dit donc, du coup, qu'il y avait le type submit, juste un petit peu avant. Oui. Il y a aussi un autre bouton qui est intéressant. Alors, je vais vous montrer les deux. Type, même si je les voulais déjà montrer, c'est pas grave. Submit. Donc, value, on va mettre. J'arrive vraiment pas à écrire value. OK, envoi. Voilà, ça c'est pour personnaliser finalement ce qu'il va y avoir écrit sur le bouton. Et enfin, on va mettre un autre bouton à côté, enfin avant même, qui va s'appeler par exemple recommencer. Et type, ça va être reset. Reset, ça veut dire remettre à zéro. Qui permet de tout remettre à zéro. Donc je vous montre. Hop. Tout a été annulé. Par contre, si je clique sur envoi, hop. Ça envoie les données dans l'URL. Donc poney égale on, sexe égale femme. Pourquoi poney égale on? Pays égale Marseille, sexe égale femme, c'est ça? Tout à fait. Mais par contre, poney égale on, non. Ah oui, ok. Attendez. Ok. Autant pour moi, ça veut dire on, ça veut dire en marche, ça veut dire ok. Donc, oui, ça veut dire que foot a été coché, bad a été coché, sexe égale homme et pays égale Paris. Donc vous voyez là, il y a les informations qui transitent ici. C'est exactement ce qu'on voulait que les données transitent. Après, il faut les traiter, effectivement. Il faut du PHP pour les traiter, mais en tout cas, elles transitent bien comme on le voulait. Ça, c'est cool. Que vous dire d'autre? Je pense qu'on a fait le tour des formulaires, finalement. On a vu comment ajouter un type texte, un type email, URL, tel, numéro de téléphone, range, color, date ou time, search, reset, submit pour envoyer, et les choix, donc checkbox, radio. Et select option pour pouvoir avoir des listes déroulantes. Je pense qu'on est pas mal. Je vous ai appris à faire les labels qui permettent justement de pouvoir nommer clairement les choses.
la méthode, l'action. Donc on est plutôt pas mal sur les formulaires. On peut en faire des très beaux et des très longs si cela vous plaît, si vous voulez travailler pour l'INSEE, voilà. C'est tout pour les formulaires. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si vous avez des questions, et puis je vous dis à la prochaine pour la suivante. Allez, salut!